Ah, nouvelle intro, c'est important. Bonjour à tous, j'espère que vous portez très très bien. Je voulais faire une nouvelle intro pour vous partager et vous donner envie d'écouter les titres, évidemment. Et du coup, vous partager ce qui me plaît à les écouter encore, plutôt que de les laisser sur mes disques durs. Ce qui me déplaît également et ce que j'aimerais refaire aujourd'hui. Et effectivement, j'en profite pour vous laisser les news. Ça fait 23 ans que je fais de la musique, ça fait 17 albums, on attaque la saison 3 du Free Music. Du coup, un nouveau titre pour le groupe Ignore en 2014, qui était une collaboration avec un de mes musiciens. Le titre s'appelle Oh Killed Me. On surfe pour bien remettre dans le contexte entre une musique électro, pop, deep house, progressive, mélodique techno, mais également dub. Du coup, on aimait à faire ça, à s'approprier les codes de chacun de ces styles et à essayer de créer quelque chose qui se veut à vertu artistique simplement, mais qui a le mérite d'exister. Donc ce que j'aime particulièrement, les voix, clairement, le choix du tempo, qui est ni lent ni rapide, qui est vraiment entre deux eaux, et qui nous a permis de bien surfer et d'accentuer les différents codes des différents styles qu'on aborde. Donc la voix, je la trouve géniale, elle me fait vraiment kiffer. Et notamment la fin, deuxième point que je trouve vraiment surprenante, complètement inattendue, bien qu'on sent que ça s'accélère et que ça va péter à un moment donné. Mais tout le morceau, même dans la construction du couplet-refrain, n'est pas redondante. Et du coup, c'est très plaisant de pouvoir faire play de nouveau. Et j'espère que vous le ferez, section commentaire, pour me laisser vos avis et vos questions si vous en avez. Les nouveautés également, donc une nouvelle rubrique que je souhaiterais mettre en place, qu'on me demande assez régulièrement, pour vous partager mon fonctionnement, c'est-à-dire comment je travaille, quels plugins surtout j'utilise, comment je les utilise, etc. Alors là, je vous invite à être très curieux, mais je vais vous expliquer un peu mes tips à moi. Et également, vous présenter dans cette rubrique-là des presets que je vais vous partager dans le cadre de nouveaux bundles. Pourquoi ? Parce que je sors un nouvel album, et c'est le deuxième point. Et du coup, ce nouvel album pour le groupe Paradigme va s'intituler I Am Eternity. Là, on est vraiment dans un registre deep progressive, mélodique techno, très inspiré par Stéphane Bodzin, évidemment. Texture très synthwave, très années 80, tape, lofi, chill, etc. Donc j'ai vraiment fourni un travail sur les textures, le rythme, la gestion des effets, mais surtout j'ai essayé de vous raconter des histoires, une fois n'est pas coutume, et donc de vous emmener comme ça dans mes récits. Donc il y a à peu près 1h50 de son sur cet album avec 11 titres, et j'espère qu'il verra le jour avant la fin de l'année. Voilà, donc stay tuned et à très bientôt. Salut, ciao.